Effectivement, gagné des députés qui n'ont rencontré hier soir dans résidence privée président, en compité gagné en chef l'État avec PM Naïsa, et puis un groupe de députés eux-mêmes qui a fait pression sous PM Nomeya pour demander le reconduit en capable d'ancien ministre planification coopération externe Abel Ferrand, et bien dans le ministère ça, malgré arrêté à de sortie, mais le groupe de députés ça a demandé pour capable de reconduire. Est-ce que vous-même qui s'est envoyé spécial dans le Parlement, est-ce que vous avez information sur quelques noms de députés eux-mêmes qui t'a dans le contrat avec qui t'a fait pression? Effectivement, il y a un député Jacques Julmis, n'a pas appelé Jean-Député Aoudo Bien-Aimé-Dil, c'est député qui sortit dans le département Nord avec Nord-Est. Ok? Il y a un député Jacques Julmis, il y a un député Fred Piton, il y a un député Isaïe Prophète. Mesdames, Messieurs, n'a pas appelé Isaïe Prophète, c'est lui-même qui a invité rubrique parole équilibre matin avec Salomon Sidmé. N'a pas tout qu'un bel pour nous connaître qui ça bagaille. Il y a un député Frandi Nalembe, il y a un député Worms Périlus, il y a un député Jean-Bertol Bastien, hein? Il y a un député Hermogène qui n'a Dondon. Donc c'est quelques parmi députés, mesdames, messieurs, qui finalement tiennent rencontre ça et qui a demandé pour reconduire ministre planification et coopération externe dans Métaviol Fleurant. Même pas si Métaviol Fleurant descend trop. Il descend trop, il y a un cabinet ministériel fin fait. Pas de question pour entendre nous faire des bagailles, parler pour vous. Ainsi, député Cathy Morin, Isaïe Prophète, qui parle pour capable répondre à la question, nous dans la rubrique invité à matin. Merci un peu tout le monde. La rubrique ça arrive entre la Kanyogasaksi pour toute équipe là et collaborateur nous. Et Nelson, Mike Henley a fait toute la manœuvre technique et des micros pour capable de servir comme à l'accoutumée. C'est toujours moi-même serviteur pour Salomon Sid. Mais il fait exactement 6 heures avec 52 bonnes minutes. Nous allons faire rapidement quelques minutes dans la rubrique invité à matin. Député Zahi Prophète, bonjour. Bonne semaine. Bonjour, Monsieur Salomon. Bonne semaine, là, ou même tout. Bon, salut tous fidèles auditeurs et auditrices de cette émission, quel que soit en Haïti ou bien à l'étranger. Bon, salut tout le monde qui est dans le studio avec vous, mettez en ordre. C'est un plaisir de vous avec vous matin. Nous connaissons ainsi une véritable césarienne qui nous a fait la par rapport avec les hein, puisqu'ils nous connaissent tout la matin très sollicité. Député, on essaie de garder par le fait de gagner un peu d'informations, car parce qu'il est comme quoi, il y a une véritable rencontre entre APH avec le président républicain. Mais ça a été fait hier dans la résidence officielle chef de l'État. Qui ça va galérer? Premièrement, ce n'est pas avec APH qu'on compte la défaite. On compte la défaite avec un groupe de députés nord-est et alliés. Le président républicain qui t'a demandé pour réunir avec nous, il t'a fait demande là un samedi. Et puis, effectivement, hier, à midi, la Kaili, son groupe de députés, qui c'est un groupe de députés non-nord-est, qui ont un total de 24 députés, nous avons réuni la Kaili président hier, mais ce n'est pas APH. Où dit ce chef l'État qui t'a fait nous demander là? Bon, c'est parce que son groupe que nous connaissons, nous parlons de bloc politique, mais des groupes politiques étant que nous constituons un groupe, son groupe régional, qui est un député qui sont dans le nord-nord-est. Avec ton bon député qui sortit du côté de la DIWA, le président nous demande de rencontrer avec toi parce que, auparavant, dans une rencontre antérieure, nous avons rencontré avec le premier ministre, nous avons discuté de questions politiques. Et qui ça qui t'a motivé, chef l'État, véritablement invité nous, par le fait que d'ailleurs, ou dit nous beaucoup bloc, officiellement, vous pouvez reconnaître nous, qui ça qui t'a convaincu, chef l'État, invité nous? C'est parce que, selon sa constitution, dit, le président fait choix de un premier ministre, il dit que vous devez faire choix en consultation avec le président de la chambre. Là où nous en consultation, c'est vous-même qui avez choisi mon nom. Mais on consulte ni chambre député ni chambre sénateur là pour connaître qui est mon souverain qui a une chance pour passer. La question chambre député, nous partons vraiment bon temps pour nous consulter nous pour nous dire mais qui moun yo pral voter. Là où vous venez porter mon nom nous pour nous connaître qui moun qui parle plus ou moins faire. Partie de cabinet ministériel là, pour nous être capables de dire non. Étant donné que nous faisons un choix de PM, non, nous choisissons le cabinet ministériel là, nous ne pouvons pas consulter, nous disons, président, mais qui ça nous a suggéré?
Je ne crois pas que député ait le droit pour imposer au premier ministre pour tourner avec un ministre dans le cabinet. Je ne crois pas que doit imposer pour choisir un monde pour le mettre comme ministre. Mais comme c'est moi-même qui pourrais le voter, je vais suggérer, je vais dire que tel monde souvient avec lui, nous ne pouvons pas voter. Si toutefois, nous n'avons pas répondu à critères constitutionnels. Kounya Bamga, le président lui-même, il était invité nous. Qui ça le voulait dire nous? Qui ça le voulait dire nous? Qui ça le voulait dire nous? Oui, qui ça le voulait parler avec nous? Non, c'est sûr, au choix du premier ministre. Le choix du premier ministre, il était besoin de connaître est-ce que pas de problème pour avec choix de monde que le fait. Le cabinet ministériel là pour nous sommes capables de passer sans problème au niveau de la Chambre des députés. Et nous n'étions pas le président en suggestion, nous n'étions pas qui ça nous pensait de différents mondes qui font partie du cabinet ministériel là. C'est de, exactement de ça nous avons parlé. Non, mais et c'est après le film nommé Kounia Rebouchita avec nous, depuis bien avant le défel. Non, mais c'est ça nous là, c'est que bien avant que l'été nommé, il se soit le chita avec nous. Il décide de avec tout le problème que peut-être il n'y a pas de guerre, mais qu'on a l'elfe nommé. Qu'on a nous dit, ah bon, il y a une nomination qui fait, des ministres qui reconduit, des ministres qui ne pas reconduit, nous dit, mais qui ça nous pense? Parce que travail, premier ministre, là, il y a bullshit avec toute tendance, tout groupe de monde qui nous sommes députés à Boulkawa, est-ce que le gouvernement, ça que l'a venu avec lui, est-ce que l'a bien chose pour le passé? Parce que premier ministre, lui-même, il est capable de faire l'unanimité. Mais qui monde qu'on va venir avec lui pour diriger différents ministères? Parce que dans la réalité, camarades, moi-même, je parle avec vous assez souvent. Et assez souvent, qui s'aime toujours dit? Nous, selon tout spécialiste, on paye besoin de 30 années de stabilité politique pour commencer à rentrer dans la logique de développement. Si nous avons besoin de 30 années, ça veut dire qu'on a besoin de 6 élections présidentielles affilées, sans interruption. Pour commencer à chimer développement. Ce problème lié en Haïti, où un président qui vient de faire 5 ans, et où il y a 4 premiers ministres qui passent. Ce n'est pas possible pour tout le temps, l'État a commencé à camper. On a tout besoin de retourner à zéro. Côté stabilité, côté continuité. Pour un président qui monte, et un premier ministre, et un gouvernement, le président pour quand même un an avec le gouvernement où j'étais premier ministre. Il y a un attendant que vous voyez le premier ministre qui monte. Ou alors le cabinet ministre. C'est recommencer, on va recommencer à zéro. Mais pensez que c'est dans la logique continuité de l'État, dans la logique stabilité, nous dit PM, non, qu'il y a des ministères qui sont des ministres clés dans le gouvernement, il est préférable que le ministre ait été en place pour permettre à ce que sa ministre ait commencé à faire, il y a un résultat pour que le travail continue. C'est ça l'idée. Mais, député, il y a des gens qui estiment. D'ailleurs, par le fait que chef l'État APH, bloc majorité, au connu la dernière, il connaît que tout bagage fait avec APH déjà, qu'on n'a pas connu l'autre encore. Non, le problème c'est que groupe Nord-Est là, il pas seulement gagné la donne des députés de l'APH. Il gagne des députés de l'APH, il gagne des députés qui sont dans Vérité, OPL et Alien, il gagne des députés qui sont dans JETA, il gagne des députés qui sont dans GPS. Ça veut dire son groupe de députés qui est environ 10 députés de l'APH, et puis tous les députés sont sortis dans le bloc Ariete Koumzou, par Goussa, son base régionale, le Nord, le Nord-Est et les Alliés. Ça veut dire président Kafin Chita avec APH, les membres de l'APH, ils ont senti à l'aise, mais au niveau du groupe Nord-Nord-Est, là, nous-mêmes, nous t'aiguons pour nous détailler le président, appréhension nous dans ce sens-là. Oui, député, pas les faits quand même, Jean Doulan, là, au niveau des APH, Chita, au fait, et président, il négocie avec tout sous ça qui a un rapport avec question cabinet ministériel, là, et il y a un pas offert, probablement, qui baille. Je dis en quelque part, nous avons pensé sur l'autre problème que nous avons essayé de poser là, pas les faits quand même, négociation faite déjà, et différents blocs, grand temps qui joignent pour que le gouvernement ait monté. Moi-même, comme je ne connais pas tout le monde de l'APH, je suis senti à l'aise. Ils ont senti confortable avec le cabinet ministériel là, j'en fais bien. Parce que vous m'avez comme bleu, nous clair là-dedans. Et ceci me dit où ça tout le temps. Nous toujours pensons que là, son bloc majoritaire qui votait au premier ministre,
il peut pas questionner. Nous faisons ce trois exemples là. Bloc majoritaire là, c'est 100% derrière Jacques Villafontein. Et bien c'est un groupe de députés avec des députés de la majorité qui forcent Jacques Villafontein pour démissionner. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire le Parlement, c'est pas un vote identique. Le Parlement a différents groupes là, il y a différents blocs. Et c'est ça. Député communication passe très mal, oui, là, et il m'a connu ces facilités, non? Mm-hmm. Parce que mon yo tient ce qu'il faut que vous tendez. Député, député. Mm-hmm. Qui est ce parti politique qui va être ministre, député? Ah, député, vous ne connaissez pas. Salomon, est-ce que c'est la première fois que vous parlez avec moi? Ou connaît même qu'on nous même jouer. OK. Mais ça fait déjà tout toujours un problème dans les yo. Presque chaque gouvernement qui a monté même problème yo. C'est des bagarres à répétition. Moi même mon nom que je te mette comme ministre environnement, yo dit qu'il y a une double nationalité, si nous connaissons qui est ce parti politique qui est Bali, nous avons dit, mais comme si nous tendons, peut-être yo dit, soit c'est un groupe allié qui plus ou moins gagne vérité, broche, j'en gagne là-dedans qui Bali. Mais moi, vous connaissez, je ne connais pas. Non, mon connaît, mais ça, c'est ça, c'est vérité que Bali. Bon, ça, c'est ça, député. C'est ça, moi, sur un groupe social. Vous comprenez, mais c'est ça, ouais. Kounia, bon, Kounia, qui ça nous dit, président, qui ça nous voulait nous-mêmes? Moi-même, bonjour. De la réalité, qui ça nous demande? Nous dit, président, le cabinet ministériel qui va venir, il faut que l'erreur qui te passe avant, pas répéter. Ça veut dire qui ça? Pas gagner d'un ministre qui vient là, qui a des problèmes de décharge. Parce que si vous voulez, oui, pour la majorité de moi, je supporte un gouvernement, nous levons là, mais pour voter au gouvernement, et puis de la technicalité, il y a des députés de l'opposition qui peuvent trouver que, mais on vote au ministère qui n'a pas de décharge. Mais on vote au ministère qui a double nationalité. C'est pour ça que le processus ça, il prend plus de temps. Le sénateur prend plus de temps pour étudier le dossier. C'est parce que l'erreur qui était passée dans le gouvernement antérieur, nous parlons ça. Nous parlons de supporter le gouvernement et puis pour les ministres qui ne peuvent pas répondre à critères constitutionnels. Nous menons pour toute munition travail sous des cahiers de notes pour venir et ce problème n'a pas passé. Parce que si nous ne perdons pas ça, nous n'avons pas vraiment de problème avec PM. Non. Nous n'avons pas vraiment des problèmes avec PM, non, mais nous voulons faire sûr que toute munition y est venue. Pour qu'Aviol Flérant, qui ça demande pour lui? Hein? Pour qu'Aviol Flérant, qui ça demande pour lui? Nous-mêmes, nous ne demandons pas rien pour Aviol Flérant. Nous simplement dit, président, que nous avons fait un effet fiscal. Et si vous permettez, M. Salomon, nous demandons un break, ou permettez-moi là parce que nous avons un engagement que nous devons respecter. Oui, nous allons conclure là, Kounia. Bon, qui ça nous demande pour Aviol Flérant? Bon, balance ça. Ou bien Aviol, ou bien ministre, c'est le ministre de la planification. Ce ministère transversal que lié, nous avons fait un effet fiscal là. Budget fin voté. Budget pourquoi même publié? Je dis à ces 10. Mettez 20 jours pour un effet fiscal là, fini. Si vous changez le ministre de la planification, qu'on y a, donc l'argent qui mettait pour différents ministères, qui ne peut pas débloquer, parce que vous ne pouvez pas bien donner l'association pour le ministre là. Ça, c'est un aspect technique comme bon là. Vous comprenez? Merci. Mm-hmm. C'est un technique comme bon là. C'est raison ça. Parce que bon, je suis d'abord. Est-ce qu'on connaît le budget que nous avons voté en 2016-2017? C'est qu'on y a, oui, il faut qu'on ait un débloqué 4e mai. Ou est-ce qu'il y a un nous là? Okay. 2018, mais je ne devrais pas être surpris, oui. Ok. Ça veut dire qu'il faut être tard dans l'État. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est ça nous parler. Il faut qu'il y ait continuité. Ok. Ça, nous avons besoin qu'on ait à les députés, c'est que nous conditionnons votre noir sans Aviol Flérant, nous ne pouvons pas voter. C'est pas ça. C'est pas ça du tout le calier. C'est pas ça. Nous simplement mettons point devant PM avec le président. Il y a des droits pour venir avec le gouvernement comme ça. Nous-mêmes, en tant que législateurs, nous avons choisi. Qui nous avons choisi, ça qui est plus bon pour le pays, ça qui est plus bon pour la continuité, ça qui est plus bon pour la stabilité. Qui ça répond nous? Bon, il y a des pour réfléchir. Nous-mêmes, on est dans le groupe à nous parler réunis. Nous avons l'autre quoi qui fait encore. Nous avons garanti depuis nos bonnes solutions, mais pour qu'on ait, nous avons au courant. D'accord, merci beaucoup député. Merci. D'accord, interview là Léon Tikassé coupé matin et m'explique nous comprendre.
Et député a tellement gagné demande, député a tellement gagné demande aujourd'hui, presque tout média parle à député a. Et Libanon li coupe étant et nous pas gagne problème, hein, sauf que nous gétant gon idée c'est que ba la clair. Et nous connaît quand même d'aujourd'hui nous lorsqu'il n'a parlé avec des hommes politiques, des hommes et femmes politiques, faut être très prudent. Et faut dans des oui, majorité ça dit nous yo, c'est presque ça pas important. Yo. Et rencontre en fait et c'est un groupe qui gon on vingtaine de députés, 24 députés. Gagnent soit 10 ou 15 qui soutiennent l'APH qui a constitué bloc ça, l'hypoco bloc. Pour que ça, parce que officiellement beaucoup écrit avec bureau chambre député pour déclarer qu'il existe comme bloc. Et il rencontre chef l'État, il dit président de la République, nous clair avec vous cette question de Aviol Fleuran, nous pas négocier avec Aviol Fleuran. Et pas oublier Aviol Fleuran, et j'en toujours dit lui son équipe très serviable et c'est très roule avec Negio, c'est très liquide, c'est gérer Negio. Et si gon nèg parlementaire plus remèl relé Aviol Fleuran et gan pile moun ki parle de Aviol Fleuran, son nèg ki pa bezwen konnen eske c'est comme l'état nan meni de pou paraître côté l'ap servi ou. Et c'est très liquide à débiter yo à parlementaire yo. Ben nèg yo di président mon cher, cette question de remplacer Aviol Fleuran nou pa la donne et son entre dans logique là. Nous-mêmes nous gain position nous que nous pral exprimer clair dans votre cadre pour capable faire sous question énoncé politique générale là jouet pour et notaire Jean Rissien ça apprendre nouvelle là tout parce que Jean Rissien comme premier ministre moi crois que c'était donné rencontre là tout et me s'est campé en zoblod bon créole là ba nèg la rio me s'est dit pas question de Aviol Fleuran. Et si que nous t'entrer dans logique là moi-même et m'pas quoi c'est avec moi avec gouvernement pas maintenant et m'bra le temps des questions Aviol Fleuran. Et en tout cas qui vivra verra, qui mourra 3 points de suspension n'a pas pour capable suivre bagarre là. Et en réalité c'est ça bagarre là yi ça veut dire gouvernement fin monté. Faut rappeler mon qui ministre et qui remplace Aviol Fleuran, c'est directeur boîte là. C'est directeur boîte là. C'est directeur et ministre planification et c'est même qui remplace Aviol Fleuran. Là j'ai presque même bagarre là. Presque même bagarre là. Et Andy Jude, c'est n'a font bon calcul bon raisonnement, c'est presque 7 ministres qui aurait conduit parce que n'est qui directeur général ministère ça. C'est lui qui a géré affaire technique en dans ministère, c'est lui qui a mis en place Aviol Fleuran, mais nèg yo pas d'accord parce que pas trop comme monsieur yo croit que si c'est Aviol qui nan men yo baga la plus facile pour yo. Et député a clair il dit mon cher gon c'est des projets qu'a exécuter bon la ca moi si monsieur changer dans moment ba la ca changer dans même qui donc nèg yo clair avec président cabinet ça t'assemblée li pral remanier Kounya, et est-ce que Kounya nous capable d'entrer dans la logique remaniement ministériel là? On a beaucoup plus près thème non puisque je dis en gagner que estimer gagne monde faut que reconduit encore parce que pas négocier Aviol Fleuran yoa. Aviol Fleuran c'est nèg qui plus liquide dans gouvernement qui député ou même yo pas décidé perdu. Merci en pile tout le monde et m'était content avec nous. Mais faut me rappeler nous jeudi en c'est pral un journée côté qui pral déclarer la permanence Radio Méga toute équipe là. Ancien président Michel Maté doit entrer dans pays matin faut nous reporte tout côté. Gagne des organisations qui engagent dans question Petro Challenger et il y a subito en tout yo pral gen pou capable rencontrer ancien chef l'état airport là. Faut n'a regarder qui sa réalité aye, mais nous ouais gagné une organisation tout cap supporter ancien président Michel Martelly qui écrit avec DDO mais ça a qui titre l'écrit à DDO pour qu'elle mande DDO pour prendre toute disposition pour capable faciliter entrer chef l'état puisqu'il au même tout pral rencontrer chef l'état. Est-ce qu'il pral gon véritable affrontement entre partisans ancien président Michel Martelly avec Demon Jodian cap manifesté pour capable poser question côté l'agent Petro Caribéa n'a pas pour nous capable suivre lui
toute équipe Radio Mega, nous pral en direct, n'a permet que vous vive tout ça qui gien rapport avec actualité a pendant toute journée. Merci à tout le monde.